Reims 11e, accueille Angers 20e. Les Rémois restent sur une victoire et 4 défaites. Ils aimeraient bien finir la saison correctement et s'imposer à domicile face au dernier du championnat. Ça semble possible. Angers reste sur 5 défaites de suite et malgré une bonne attitude et de la combativité, les Angevins sont condamnés depuis longtemps à la descente en Ligue 2 BKT et ils n'arrivent pas à stopper cette série de défaites. Le début de match est logiquement en faveur des Rémois. Ils récupèrent des ballons et vont de l'avant, notamment sur cette première action. Abdelhamid voit de l'autre côté Junya Ito. Le ballon bien contrôlé par le japonais, un contrôleur orienté qui le met en bonne position sur son pied gauche. Pour le premier but du match après 10 minutes seulement, 1-0 grâce à l'international japonais. Le 6e but de la saison pour Junya Ito. Le contrôle orienté a fait la différence. La frappe est ensuite précise et Reims mène donc vite au score. La situation est parfaite, d'autant que c'est la seule action tranchante de la première période. Reims mène donc à la pause. Mais le retour du vestiaire est favorable au SCO d'Angers. La bonne attitude angevine se retrouve dans ce type d'action. 46e minute, c'est la première séquence de la seconde période. Angers est plus haut, récupère la balle. Sadatioub fait son travail sur le côté droit pour un centre et une reprise sur le poteau. C'est suivi par Alid Sabanovic. Un but partout dès le retour du vestiaire. Le 2e but de la saison pour Sabanovic. Ça va mieux pour le SCO d'Angers qui a envie de prendre encore quelques points dans cette fin de saison. Reims doit donc repartir de l'avant pour essayer de prendre à nouveau l'avantage. Pourquoi pas sur un corner. Le ballon est repoussé dans un premier temps. Mais ça revient avec la remise et la reprise de Folarid Balogun. 2 buts à 1 à la 54e minute. L'Anglais marque son 20e but de la saison. Aucun Rémois n'avait été aussi prolifique sur une même saison de Ligue 1 Uber Eats depuis Carlos Bianchi dans les années 70. Une performance de choix pour Balogun. Reims a repris l'avantage mais s'expose de nouveau. Angers ne lâche rien. Le centre et un ballon repoussé. Et la reprise est superbe. Quel but d'Imad Abdelli à l'heure de jeu. Nouvelle égalisation, 2 buts partout. Abdelli a inscrit son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Le premier de sa carrière dans l'élite. Et quelle frappe! Il se souviendra de ce but, celui qui permet à Angers de ne pas perdre. Car le score reste en l'état jusqu'à la fin. Un score final de 2 buts partout entre Reims et Angers.